Salut, salut! Aujourd'hui, je vous montre comment faire une tortilla revisitée à ma façon. Il nous faut la tomate concentrée, du sel, du poivre, de la paprika, des pommes de terre, des ustensiles de cuisine, 3 œufs, des juliennes de légumes, des champignons et des poivrons. Pensez à beurrer déjà votre plat avec l'agent de graissage et de démoulage, c'est super efficace. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du beurre ou de l'huile. Ensuite, vous allez tapisser le fond de votre plat de pommes de terre, comme ceci. Ensuite, vous allez venir mettre les différents ingrédients, tels que les poivrons. Les champignons. Ainsi que les juliennes de légumes. Vous pouvez prendre les légumes que vous souhaitez. Ensuite, vous allez prendre les œufs, vous allez mettre la paprika. Vous allez mettre le sel, le poivre, paprika, les tomates concentrées. Vous pouvez prendre d'autres ingrédients, c'est comme vous voulez. Là, je vais vous le mettre avec la paprika pour qu'il y ait un petit peu côté épicé. La tomate concentrée que j'avais retravaillée. Vous mettez le tout et vous battez. Voilà. Ensuite, vous allez venir le renverser sur le mélange précédent. Vous allez bien recouvrir tous les légumes. Ensuite, vous allez l'enfourner à 180 degrés pendant 10 minutes. Et voilà le résultat. C'est beau. À l'aide d'un couteau, vous allez voir si c'est cuit ou pas. Et ça ressort tout propre. C'est propre. Et voilà. Un repas facile, sain et rapide à faire. En même pas 15 minutes, vous avez un bon repas complet et super bon. Maintenant, vous pouvez le reproduire chez vous avec les ingrédients que vous souhaitez, les ingrédients de votre choix. Ce n'est pas compliqué, il suffit juste d'avoir de la créativité. Et voilà, vous voyez? C'est beau, n'est-ce pas? Pas du tout compliqué. Maintenant, c'est à vous de jouer.